Hello tout le monde, c'est Siana. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale puisqu'on se retrouve sur la map The Lucky Défi qui a été faite par The Beast Walker. Cette map, c'est une map qui se fait en ce moment pas mal de fois par les youtubeurs puisque c'est une map où les youtubeurs sont défiés au niveau de leur chance. Donc, le Lucky Défi, c'est quoi? C'est un défi mis en place de The Beast Walker réunissant la communauté francophone des youtubeurs Minecraft pour savoir qui de nous est le plus chanceux. Cette map n'est pas disponible en téléchargement. Je le préviens tout de suite avant que vous me demandiez le lien pour télécharger la map. Elle n'est pas disponible en téléchargement pour le moment en public. Elle s'envoie en fait de youtubeur en youtubeur via Skype, TS, ce que vous voulez. Et donc, du coup, bah, pour l'instant, et malheureusement, c'est une map qui est en privé. Voilà. Les règles de la map sont très simples. C'est ne pas poser de blocs, rester en normal sauf en cas extrême, casser tous les lucky blocks et même se donner dans les coffres. Restez bien dans le couloir, vous pouvez mettre les armures, mais pas de craft. Alors normalement, je suis en normal, c'est bon. Ça n'a pas été rajouté, mais apparemment, c'est aussi dans les règles. On n'a pas le droit de casser les blocs. Enfin, quand on dit casser les blocs, c'est surtout ne pas casser les toiles d'araignée. Et on n'a pas le droit d'utiliser les enderpearls qui nous est donné. Je vais essayer de battre le record puisque j'ai été taguée par Super Brioche. Je dis pas battre le record qui est de Siphano apparemment qui est de 4 minutes. Mais au moins battre le record de Super Brioche qui est de 7 minutes 10 et de Rosegrim qui est 5 minutes 58 puisque ce sont les deux personnes qui m'ont taguée. D'ailleurs je ne les remercie pas, hein. Merci les gars. Cette map, la map originale est Lucky Block Race Map Lectardo. La redstone a été faite par Aipierre. La modification et le concept par The Beast Walker. Il y a un mod. D'ailleurs, je veux vite, très vite en revenir. Si je fais inventaire, j'ai too many items, que j'ai raise minimap sur la droite, c'est normal. J'ai voulu tourner le plus rapidement possible cette vidéo. Et le souci, c'est que j'avais. Enfin, j'ai voulu tourner le plus vite possible et en fait j'ai pas voulu, j'avais déjà un mode pack en 1.7.10 et j'avais pas envie de le supprimer, donc du coup je me retrouve avec plein d'autres mobs, oula j'ai du mal, mode, donc comme vous pouvez voir c'est surtout de la magie, ce genre de conneries, et mais ça n'aide en rien au chrono ou à cheater ou autre, hein. Ça ne sert à rien en fait. C'est juste, je préviens que le mod, je l'ai rajouté très rapidement dans un mod pack pour pouvoir le tourner le plus vite possible. Les 5 personnes que je nomine, je les dirai à la fin pour laisser un peu de suspense. Et je dis, let's go, c'est parti. Je m'éloigne assez vite des blocs, puisque j'ai remarqué que sur la vidéo à brioche, les blocs pouvaient faire spawn d'autres blocs. Et comme j'ai pas trop envie de me retrouver avec, avec une enclume sur la tronche ou autre, bah je m'éloigne un peu. Du stuff, encore du stuff, toujours du stuff. Je ne dis pas non, puisque, voilà, c'est ce que j'allais dire. Puisque à tout moment, des choses peuvent me tomber à la tronche. De la TNT aussi. Ah, et j'ai pas le temps de tout casser. Donc je vais mourir avec tout ce stuff, je suis dégoûtée. Voilà. Ça en commence bien, hein, mais c'est pas très grave. Hop, allez, on va aller très 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 vite. On va essayer de battre le fucking record. J'ai remarqué aussi que quand on mourait, on avait le droit à un bonus. Du coup, j'ai pas pris le stuff, mais là, je peux le récup. J'ai toujours la popo, je sais pas ce qu'elle fait. Je vais éviter de la prendre, parce que... Est-ce que c'est la même popo que Brie? Ouais. Donc on va éviter de la prendre tout de suite. Je la prendrai peut-être vers la fin, quand je verrai le... Le truc, c'est que, en fait, avec les jumps... Oh, puis 8, hein. J'ai une autre potion. Ouh, j'ai pas non. Puisqu'apparemment, elle peut nous... Ça m'a fait peur. Elle peut nous foutre un peu dans la merde. Non. Je suis dans l'étoile d'araignée. Vite, 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 vite. Je vais casser ça en attendant. À mes risques et périls. Allez, 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 plus vite l'étoile d'araignée. Je n'ai pas de... Voilà. Je n'ai pas de pioche, parfait. Il suffit d'en demander, c'est ça? Oh là là, même pas en rêve, toi. Oh non, vite, 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 vite.
Ah, enclume, j'en étais sûre. Ça, par contre, j'ai très très peur. J'ai chaud. Un coffre. Il y en a pas. On court, on court, on court, on court. On court, on court, on court, on court. On court, on court, on court, on court. Oh, j'aime pas du tout ce jump là. J'ai fait la map très rapidement. De mon côté, je l'ai même pas fini. Hein. Je suis arrivée là, j'ai vu que le jump me faisait rage quitter. J'ai rage quitté la map et je me suis dit, allez, on tourne. Oh non, la toile, t'aurais pu me récup, quoi. Et je me suis dit, on tourne et me voilà. J'ai vraiment du mal avec les jumps et j'ai vraiment du mal avec ce jump. Merci. La toile, tu peux me rendre, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Oh, j'en étais sûre, ce trou. Ce trou. Ce trou. J'en peux plus. Cette map me rend folle. Je me dis, je veux battre le défi. Donc du coup, bah, je me retrouve à faire très vite la map. Très très rapidement. Je veux vraiment battre mon record. J'espère que je vais le battre. Bon, battre Monsieur Fano, c'est foutu, hein. Il nous reste 40 secondes, même pas. Mais c'est pas le but, c'est juste battre Rose Grimm au moins. Rose Grimm, tu n'as pas le droit de gagner. C'est moi qui vais gagner. Non. Il fait ce qu'il veut, hein. À pas prendre au premier sens du terme. Je dis pas non à une pioche. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, 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 plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Hop, on casse. Oh non, mais sans déconner, 2-3 à la fois, quoi. Comment vous voulez que je puisse battre avec cette chance que j'ai? J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Clairement. 2 trous en 3 lucky blocks. Vous appelez ça de la chance? J'ai vu qu'il y avait des underperles au sol. Je ne les ai pas prises pour ne pas être tentée à les utiliser. Parce qu'apparemment, nous n'avons pas le droit. C'est pas marqué dans les règles, mais... J'ai vu un tweet de la personne comme quoi... Il fallait pas les utiliser. Donc du coup, je vais éviter de les utiliser. J'ai perdu je sais pas combien de temps. Ça m'étonnerait que je batte Rose Grimm, hein, réellement, les gens. Je sais qu'il y a encore un jump après celui-là. 1 ou 2. Ah! Je vais pas y arriver avec ce jump. Hein. C'est dommage qu'il n'y ait pas de checkpoint. Parce que là, réellement, ça aurait pu donner du piment à la map. Non, c'est... J'allais tomber dans le trou, quoi. Oui, il y a un jump encore. Ok. On se concentre, on peut la faire. Allez, hop. Le suivant. Ne pas rester sur place, en fait. Voilà. Allez. 5 minutes 46. J'ai réussi à battre les deux. je les ai battus de pas grand chose, hein, clairement. J'avoue que j'ai eu de la chance parce qu'il peut y avoir des mobs. Durant mon test, j'ai pu avoir un ghast, j'ai pu avoir un zombie géant. J'avoue que sur ce coup-là, j'ai eu de la chance. J'ai réussi à battre Rose Grimm et Super Brioche. Donc les personnes que je vais taguer sont Az Chaplot et Lebo. Et les personnes que je vais retaguer, c'est Rose Grimm et Brioche. Je sais que... Bah, Rose Grimm, je lui ai dit que j'allais le retaguer vu qu'il m'a retagué en sachant que Brioche m'avait tagué. Et je vais taguer Brioche parce que je sais qu'il va la refaire. Enfin, qu'il est censé la refaire puisqu'il avait fail sa vidéo. Et je lui donne un défi en plus. Et à Rose Grimm, s'il a envie de la refaire, hein, la map, je leur donne le défi d'essayer de battre le chrono. C'est tout con, mais voyons voir si ça marche. Bri serait capable de fail, mais de très bien réussir. C'est un très bon jumper. Lui, au niveau des jumps, il peut essayer de pas se fail. J'espère que la vidéo vous aura plu. Au niveau du shader, j'espère que ce shader vous plaît. Laissez-moi un commentaire si vous voudriez plus de vidéos avec ce shader. Ce shader, pardon. Shader. Shine bright like a diamond.
Bref, il est temps de se laisser, je suis en train de craquer littéralement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.